De multiples applications de rencontres naissent au jour le jour, mais une seule fait la différence, Yamo Africa. Yamo Africa, votre application de rencontres 100% africaine et fiable. Sur Yamo Africa, trouvez l'amour dont vous avez tant rêvé. À chaque fois que ma belle-sœur me voit, elle me frustre. Elle m'affiche. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui bouge? Non, il doit avoir une raison, forcément. Moi, je ne comprends pas. Elle dit que je marche avec des gigolos. Depuis que son frère est décédé, je subis des choses avec cette fille. Et le monsieur là avec elle? C'est son ami. Mais le gars ne l'aime pas. Je ne comprends rien. Je vais avouer qu'ils m'ont coupé l'appétit. Hein. Vraiment? C'est pas possible. Elle me voit partout. Elle m'agresse. Il faut essayer de régler ce problème. Je règle avec quoi? Quand elle dit que j'ai poussé son frère à la tombe et puis je suis avec des gigolos, je règle avec quoi? Bon, on va pas se laisser emballer par ce petit incident. Hein? Merci. Mais ça m'énerve, mon chéri. Depuis qu'elle voit que je suis un sexy, je suis toujours tocose. Elle peut se mourir. Pourtant, quand j'étais avec les frères, j'étais toujours en cabane. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais il est mort, la vie continue. Je devais mourir à sa place. Non, on ne va pas laisser ce petit incident gâcher notre soirée de toutes les façons. Oh merde, ça me met hors de moi. Donc, revenons à nos moutons. Ah. Je vais te faire découvrir la ville de Limbé, comme je te disais. Oui. Je vais te faire découvrir les plages, parce qu'il y en a plusieurs plages. Exactement. On va passer la nuit à la chambre. Je suis émue. Mon chéri, depuis que je suis avec toi, je sens une sensation terrible. Mais je ne suis qu'au début. C'est vraiment Dieu qui t'a mis sur mon chemin. Franchement, j'avais besoin de ça. J'ai besoin de m'éclater. Je ne sais pas. Je vais te décrisper. Comment tu vas? Ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne va plus, copine? L'argent des gens, Michel. Explique-toi, Vanessa. L'argent des gens. Je ne comprends pas ce que tu veux par là dire. André. J'ai prêté 80 000 à la réunion pour André. Il a déménagé. J'étais chez lui ce matin. On m'a dit qu'il a déménagé. Michel, je suis foutu. Michel, je suis fini. Ça fait combien de temps que tu as fait la rencontre d'André? Ça fait une semaine que je connais André. Une semaine, Vanessa? Et il t'envoie aller prêter de l'argent, Vanessa? Il était différent des autres. Michel était différent. Il m'appelait tous les jours durant ces une semaine. Il était attentionné. Il cherchait à savoir ce que j'ai mangé, comment j'ai passé la nuit, ce que je porte. Michel était différent. Une semaine seulement. Tu fais confiance à un homme comme si ça faisait
les lustres que tu l'avais rencontré. Et voilà là où ça t'a amené. Il est où maintenant? Une semaine, Vanessa. Donc maintenant, c'est toi qui payes les hommes, ma copine. Donc tu supplies seulement les hommes d'être avec toi. Michel, c'est pas ça. Michel, comme je te dis, il était différent. Et je lui ai fait confiance. Et maintenant, quand toi, tu viens me voir, c'est pour que moi, je fasse quoi, copine? Michel, tu sais que tu es ma personne. Tu es ma copine. Si je suis venue ici aujourd'hui, c'est pour que tu me prêtes des 80 000. Je rembourse à la réunion. Je dois être demain avec cet argent. Michel, je n'ai rien sur moi. Je n'ai même pas 25 où tu me vois là. Vanessa, quand toi tu viens me voir de te prêter de l'argent, est-ce que tu réalises que moi je ne suis qu'apprenti ici? Je ne suis qu'en formation, donc je n'ai pas un salaire. J'ai besoin de ton aide. Quand je viens ici, je sais que tu vas me comprendre. Nous sommes mes amis, non? Michel, je suis morte où je suis. Je n'ai même pas vieilli, Michel. Bon, ma copine, tu vas seulement mourir. Ou bien toi tu veux que c'est mon gars que moi j'aille presser. Pour qu'il sorte les 80 000, là, moi, il vient te donner. Vanessa, toi-même, dis-moi, maman, ta carrière se marche. Donc, on te voit marcher là-dedans, une belle fille debout, charismatique et tout. Donc, tu es seulement vide là comme ça. Au point où tu peux seulement supplier l'amour des hommes avec l'argent. Non, ton père, Michel, s'il te plaît, aide-moi. J'ai besoin de 80 000 pour demain. S'il te plaît, aide-moi. Je t'en prie, Michel, s'il te plaît. Vanessa, je n'en dis qu'on vient pas. Moi-même, je compatis à ta douleur. Mais je ne suis pas sûre que si un seul instant, ta pauvre mère qui est là-bas au village, t'avais appelé que Vanessa, ma fille, j'ai un problème. Trouve-moi 10 000. Tu allais te battre comme tu t'es battu pour ce chien d'André là. Aujourd'hui, ça t'a amené où? Te voilà. Michel, pourquoi tu me parles ainsi? En venant ici, je sais que tu dois me réconfort avec toi. Je pensais que tu allais me comprendre. Pourquoi tu me comprends ma situation? Je compatis ta douleur, copine. Mais c'est que je suis désolée, c'est plus fort que moi. Moi, je ne peux pas m'entêter. Toi-même, tu le sais. Apprenti de mon intérêt, prends le 80 000. Franchement, je suis désolée. Je vais rentrer mon boulot. Et si ma patronne d'elle-même s'est me croise assise là où je suis là, j'aurai des sérieux problèmes. Michel, je n'ai pas le transfert pour rentrer. Il t'a dit que j'ai marché à pied pour arriver ici. S'il te plaît, donne-moi le transfert pour que je rentre. À ce niveau, Vanessa, ton cœur est maman. En tout cas, j'avais 300 francs que j'avais prévu pour mon petit déjeuner là. Bon, je vais utiliser 200 francs et je vais te donner 100 francs. Comme ça, tu vas frapper à pied à un niveau là, tu prends la moto, ça te jette à la maison. Merci ma copine. Oh, merci. Merci beaucoup. Margaret, j'ai besoin que tu m'aides. J'ai perdu trop de followers sur ma page TikTok, je suis dépassée. Les gars, j'ai besoin que tu m'aides. On va faire une petite vidéo ensemble, non? Où tu me chauffes. Tu sais comment tu fais souvent avec ta Kamba et ta sœur Michel, non? Quand tu les boum là là, je veux que tu me fasses la même chose. Les gars, je mets juste la caméra comme ça. Les gars, tu parles. Tu me grondes même, tu fais ce que tu veux. Je parle avec qui? Parle seulement, là, les gars. Attends, mets mes lunettes. Oui, mets bien. Oui. Maman choqueur! Mais, oui, vas-y, dis salut. Je parle avec qui? Maman parle seulement, non. Ok. Dis salut. Salut. Ma souris, non. Dis comment tu vas, comment vous allez? Salut. Comment vous allez? Voilà, vas-y, parle, souris. Hein. Il parle encore quoi? Gronde-moi, maman, elle n'est pas lavé les plats le matin, non, gronde-moi. Improvise, non, maman. Hein. Oh. Et qui m'écoute ici? Mes followers! Oui, Sunita, elle dit vrai. Depuis le matin,
Nous sommes déjà à 11h. Sylvita n'a pas lavé les assiettes. Mmh. Sylvita n'a pas balayé le sol. Mmh. Elle est là, même le lit, comme elle vient de se réveiller là, elle n'a pas dressé son lit. Demandez à Sylvita. Franchement, je suis dépassée pour l'enfance. Tu as raison, ma continue. Encore quoi? Ma grande maman qui parle le matin, ne fait rien, il somme, elle se travaille, ne fout rien. Parle seulement, maman. Voilà ta petite soeur qui va à la baleine. Elle rentre, elle ne se lève pas à l'école. Mmh. Toi, tu dors. Continue à dormir. Si TikTok te donne quelque chose, c'est toi ce qui sait. Ça te donne quoi même? L'argent, ma. Et où est l'argent là? Mais attends, mon bientôt. Mais on attend quoi? Ouais, maman, la vie c'est doucement, doucement. Maman, ouais, attends, non. Et on me paye en dollars. Hein. Tu blagues. En dollars. Hein, tu blagues. Attends. On va commencer à me payer. Dis hein. Ça, encourage-moi. Parce qu'il veut t'acheter les veilles, il veut te... Hey, c'est toi qui as d'abord acheté ceci. Maman, pourquoi tu me fais ça, non? Pourquoi tu fais comme ça? Sunita. Ah. Tu ressens même quand tes tantes, là. T'es partage. Voilà. Il était une fois une femme qui vivait en harmonie avec son mari. Un jour est arrivé, le mari est décédé. Le calvaire a donc vraiment commencé pour la veuve femme. La veuve femme aujourd'hui l'a nommée Mamie Choco, mes amis. Elle est dérangée, elle est surpassée. Tous les jours, mais chez amis, c'est la vente de son mari. Puisque sa belle famille ne lui donne pas le lait, les menaces passent par là. Elle met la maman Choco, elle n'était pas facile. Un jour est arrivé, elle a décidé vraiment, mes frères, de faire quelque chose pour envoyer ses enfants à l'école. Pour survivre dans la vie, chose promise, chose faite, directement.